In today's episode, we are diving into the excitement surrounding the Paris 2024 Olympics. While I may not really be a die-hard sports fan, the Olympics, that's a different ballgame. It was actually one of you, Maria, hello Maria, who suggested that I do a petite discussion around the topic of the Olympics. So I set out to go on a little fact-finding adventure. And to my surprise, it turned out to be a rather fascinating research spree. So today we are talking about the astounding plans that Paris has up its sleeve for the Olympics in 2024. We'll be jumping in a little bit of a vocabulary extravaganza. Such is the breadth of the topics we have to cover. So by the end of this episode, you'll not only know a lot more about the Paris Olympics, but you'll also pick up a lot of useful French along the way. Bonjour and welcome to French avec Ingrid, where I help you understand France and learn French in small and easy steps. Are you ready? So welcome here, leave your day behind, and let's go, let's learn some French. Si vous suivez nos petites discussions, vous savez que nous allons parler juste en français dans cet épisode. Mais un français un peu plus lent pour vous permettre d'améliorer votre compréhension, d'apprendre du nouveau vocabulaire et d'explorer la vie de tous les jours en France. Comme d'habitude, n'hésitez pas à changer la vitesse de cette vidéo si vous en avez besoin. Pour un français plus lent ou plus rapide, vous pouvez faire ça dans les paramètres en bas à droite. Et vous pouvez aussi activer les sous-titres en français ou dans votre langue, si vous en avez besoin. Dans cet épisode, nous allons donc couvrir les points clés de ces Jeux. Nous allons parler de la cérémonie d'ouverture. Je vous donnerai un aperçu des endroits où se déroulent les compétitions. Et nous parlerons un tout petit peu des polémiques qui ont émergé autour du sujet des Jeux Olympiques à Paris. Alors, on commence par un tour d'horizon des points clés autour des Jeux Olympiques Paris 2024. Paris deviendra la deuxième ville seulement, après Londres, à accueillir les Jeux Olympiques d'été trois fois, en 1900, en 1924 et en 2024. Paris 2024, ça marquera aussi le centenaire des Jeux Olympiques de 1924. Donc, le 26 juillet 2024, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris aura lieu presque exactement 100 ans après la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 1924 qui s'était déroulée le 27 juillet. Paris et Los Angeles, c'étaient les deux seules villes qui briguaient les Jeux Olympiques après de nombreux retraits. Le Comité international olympique a donc attribué simultanément les Jeux d'été de 2024 et de 2028 aux deux villes, Paris 2024 et LA 2028 ou Los Angeles 2028. Et parmi les points clés de ces Jeux, il y a quelques faits qui sont plutôt remarquables. Pour commencer, ces Jeux seront les premiers à réunir un nombre égal d'athlètes hommes et d'athlètes femmes. Paris 2024, ça a aussi été l'occasion d'introduire quatre nouveaux sports, des sports étroitement liés à la jeunesse. Le breakdance, l'escalade sportive, le skateboard et le surf. Paris 2024 vise à devenir des Jeux historiques pour le climat en devenant les Jeux les plus verts qui n'aient jamais été. Et l'objectif, c'est de réduire l'empreinte carbone des Jeux de moitié. Les organisateurs se sont donc fixés de ne pas dépasser un budget carbone total de 1,5 million de tonnes de CO2. Et ça, c'est encore moins que les JO de Tokyo de 2021 qui, vous vous souvenez peut-être, s'étaient déroulés sans spectateurs à cause de la pandémie de Covid-19. En 2021, ces Jeux avaient atteint 1,9 million de tonnes de CO2. Alors comment compte-t-il atteindre cet objectif plutôt exceptionnel?
Ça demandera beaucoup d'efforts de la part de tous les intervenants, bien sûr. Mais plus impressionnant, c'est que Paris a adopté une approche où ils ne construiront que 3 nouveaux sites pour ces Jeux Olympiques. Oui, vous avez bien entendu. Paris ne construira que 3 nouveaux sites pour ces Jeux. Le premier est le centre aquatique de Saint-Denis, le deuxième, le village des athlètes, et le troisième, le village des médias. Un autre point impressionnant, c'est le retour du stade Yves du Manoir dans ces Jeux. Le stade Yves du Manoir, c'était le site principal des Jeux de 1924 et là où s'était déroulée la cérémonie d'ouverture de ces Jeux il y a 100 ans. Ce stade a donc été rénové et il accueillera la discipline du hockey sur gazon. 100 ans après avoir été le site principal des Jeux de 1924. Je trouve ça vraiment incroyable. Paris s'apprête à recevoir plus de 10 000 athlètes, de 10 à 15 millions de visiteurs et 1 milliard de personnes vont regarder la cérémonie d'ouverture dans le monde entier. Les Jeux vont donc se dérouler du 26 juillet au 11 août 2024 avec Paris comme la ville hôte principale et 16 autres villes réparties dans toute la France métropolitaine et un site en Outre-mer à Tahiti, une île de la Polynésie française. Donc vous avez peut-être déjà ressenti qu'il y a une certaine ambition pour ces Jeux. Les organisateurs veulent vraiment faire de ces Jeux des Jeux un petit peu hors normes et des Jeux qui redéfinissent l'essence des Jeux olympiques tels que nous les avons connus ces dernières décennies. Il s'agit de Jeux destinés à marquer un tournant significatif, une rupture avec le passé. Et les projets pour la cérémonie d'ouverture en donnent bien le ton, haut et fort. Une cérémonie hors stade. Une première dans l'histoire des Jeux. C'est l'ambition des Jeux de Paris 2024. Donc la cérémonie d'ouverture, le défilé de la cérémonie se déroulera sur la Seine. La Seine, c'est le fleuve, la rivière qui traverse Paris. Le parcours se déroulera d'est en ouest, commençant depuis le pont d'Austerlitz devant le Jardin des Plantes pour culminer devant le Trocadéro où le final des spectacles et des cérémonies protocolaires se dérouleront. C'est donc sur un parcours de 6 km que prendra place ce défilé fluvial, avec des spectacles entourant les délégations qui traverseront Paris sur des embarcations. Une embarcation, c'est un autre mot pour un bateau. Alors pourquoi la Seine? Eh bien, c'est parce que Paris devient en quelque sorte une toile de fond de ce spectacle. La ville de Paris, la ville lumière, est donc au cœur de la cérémonie, tout comme elle sera au cœur de nombreuses épreuves. Et la distance de 6 km, eh bien, ça résout astucieusement le problème du public, de la foule. Les 6 km de rive et de quai permettront à un large public d'assister à la cérémonie. C'est une idée que je trouve vraiment géniale. Tellement loin du format du stade que l'on a vu pour toutes les cérémonies. Mais bien sûr, ça ne rend l'organisation de la cérémonie que d'autant plus complexe. Le public sera réparti sur 2 zones, les quais hauts avec un accès gratuit, mais attention, ça ne veut pas dire un accès illimité, et les quais bas où il faudra un ticket payant. Le prix des tickets quais bas varie à partir de 90 € et jusqu'à la somme vertigineuse de 2 700 €. Paris avait initialement annoncé que 600 000 spectateurs pourraient assister à la cérémonie d'ouverture. Les chiffres ont depuis été revus plutôt à la baisse. On parle tout de même d'environ 100 000 personnes sur les quais bas avec des tickets payants et d'environ 200 000 à 400 000 personnes sur les quais hauts. À voir donc ce qui sera possible d'ici quelques mois. Mais pour ceux d'entre vous qui se trouveraient à Paris et qui n'aiment pas trop la foule, il faudra peut-être s'abstenir. Quoi qu'il en soit,
les balcons des immeubles qui longent la Seine vont être très prisés. Et en parlant de balcons, c'est Thomas Joly qui est le directeur artistique de ces cérémonies. Thomas Joly, c'est un acteur français, mais aussi un metteur en scène de théâtre et d'opéra, qui, petite anecdote, pendant la pandémie, avait recréé la scène du balcon de Roméo et Juliette sur son propre balcon dans la ville d'Angers. Il a finalement mis en scène Roméo et Juliette à l'Opéra Bastille l'année dernière, en 2023. Je vous laisserai un petit lien en description, une petite vidéo qui parle de cet événement artistique plutôt magique. Vous vous demandez peut-être maintenant où vont se dérouler les événements sportifs. Comme on en a déjà parlé, l'intention est vraiment que Paris, les monuments de Paris, soient en toile de fond de ces Jeux. Et pas seulement que pour la cérémonie d'ouverture. Pour la plupart, les événements sportifs se dérouleront à Paris ou dans la région parisienne, à l'exception du football, du handball et du basketball qui se dérouleront dans d'autres grandes villes de France. À Paris même, des monuments emblématiques, des endroits très connus, deviendront donc le cadre de certaines épreuves sportives. Notamment le Grand Palais pour des épreuves d'escrime et de taekwondo, l'Esplanade des Invalides où se dérouleront des épreuves de tir à l'arc et d'athlétisme, le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel où sera installé un stade à ciel ouvert pour le volleyball et le cécifoot, et le magnifique pont Alexandre III pour les épreuves de cyclisme, de triathlon et de marathon natation. Et d'ailleurs, on se doit de s'arrêter un petit moment sur le fait que certaines épreuves de natation se déroulent dans la Seine, le fleuve qui traverse Paris. La Seine, c'est une rivière, un fleuve qui est habituellement plutôt pollué. Et pour ces Jeux, la Seine a donc fait l'objet d'un projet d'assainissement complètement sans précédent. Il aurait coûté plus d'un milliard d'euros. Il y a des sceptiques, mais la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé qu'elle se baignerait dans la Seine en juillet 2024 pour prouver que les normes sanitaires pour la baignade ont été atteintes. Si les niveaux de pollution sont trop élevés le jour des épreuves, ce qui pourrait arriver s'il y a de fortes pluies, par exemple, qui feraient déborder les égouts, et donc les eaux usées pourraient être rejetées dans la Seine. Dans ce cas, les épreuves pourraient être décalées de plusieurs jours. Mais si le projet d'assainissement est un succès, comme il est prévu, dans ce cas, ça veut dire que les Parisiens pourraient être autorisés à se baigner dans la Seine après les Jeux Olympiques. En dehors de Paris, le tournoi de football se déroulera dans six stades de province, c'est-à-dire six stades de grandes villes de France à l'extérieur de Paris. À Bordeaux, à Nantes, à Lyon, à Saint-Étienne, à Nice et à Marseille. Et Marseille accueillera également les épreuves de voile. Tout au nord, la ville de Lille s'est vue attribuer les épreuves de handball et de basketball. Et comme j'en ai déjà parlé, n'oublions pas Tahiti, un territoire d'outre-mer dans le Pacifique Sud, à 15 000 km de Paris, où se dérouleront les épreuves de surf. Et pour ceux qui n'ont pas de tickets, que ce soit à Paris ou en dehors de Paris, il y aura des centaines de fan zones d'organiser tout autour de la France. Des fan zones, ce sont des endroits que les collectivités mettent en place avec des écrans géants pour permettre au public de pouvoir regarder les épreuves en direct, c'est-à-dire en temps réel, et pour ressentir cette atmosphère de foule, cette atmosphère de spectateur. La diffusion des épreuves en fan zone, c'est une façon de rendre les Jeux accessibles au plus grand nombre. Il y a bien sûr des polémiques, c'est un
peu la nature humaine de douter et d'exprimer des opinions parfois un peu négatives. Personnellement, je ne veux pas juger le bien fondé des inquiétudes ou des critiques, car je n'en sais tout simplement pas assez. Cependant, voici quand même un petit aperçu des principaux sujets qui portent à discussion. Pour commencer, les transports à Paris. Le réseau de transport de Paris et d'Île-de-France, c'est-à-dire les régions autour de Paris, sera bien évidemment très sollicité. Et les Franciliens, c'est-à-dire les habitants de Paris et de la région parisienne, s'inquiètent des conditions dans lesquelles ils pourront utiliser les transports pour aller au travail et pour rentrer chez eux pendant les Jeux Olympiques. Ils sont d'ailleurs encouragés, quand c'est possible, de rester chez eux, de travailler à domicile pendant les Jeux ou même de prendre des vacances pour faire place à la foule qui va déferler sur Paris. Si vous êtes à Paris pendant les Jeux, n'oubliez pas que Paris, c'est une ville très praticable à pied. C'est très très agréable de marcher d'un quartier de Paris à un autre. Et ça vous permet de voir énormément plus de cette belle ville. Donc pendant les Jeux, quand c'est possible, il se peut que vous préfériez tout simplement marcher plutôt que d'aller prendre le métro ou les bus parisiens. Personnellement, marcher dans Paris, me perdre dans les belles rues de Paris, c'est quelque chose que je ne regrette jamais. Le logement à Paris pendant les Jeux est aussi un gros sujet, une préoccupation majeure. Avec de nombreuses personnes qui peuvent louer leur appartement, souvent à des prix exorbitants pendant les 2 semaines des Jeux. C'est difficile, voire impossible de réglementer tout ça, et c'est en particulier un gros problème pour les locataires. Les locataires, ce sont les gens qui louent leur appartement, quelque chose de très fréquent en France. Des locataires qui se voient contraints à retrouver un nouveau logement quand ils ont des propriétaires peu scrupuleux. Si vous voulez aller à Paris pendant les Jeux Olympiques et ne trouvez pas d'hôtel ou d'hébergement satisfaisant, je vous recommande de regarder cet épisode de la chaîne Les Frenchies. C'est une chaîne créée par un couple franco-américain qui habite maintenant à Paris, une chaîne que j'aime beaucoup, qui vous donne énormément de conseils pour des visites à Paris ou dans toute la France. Les informations qu'ils partagent dans chacun de leurs épisodes, ce sont vraiment des informations excellentes, très très utiles. Alors je recommande cette chaîne chaudement. Dans cet épisode, un épisode sur les Jeux Olympiques, ils parlent de l'hébergement et ils recommandent certaines villes à peu près 1 heure de Paris où vous trouverez peut-être des solutions d'hébergement auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et enfin, la dernière polémique, c'est une polémique d'ordre un peu général. C'est la gêne occasionnée par tous les travaux dans Paris depuis des mois pour l'organisation et la préparation de ces Jeux. Et pour les Parisiens, c'est vraiment très difficile à supporter. Malheureusement, j'imagine bien que l'intensité des travaux ne fera qu'augmenter à mesure que l'on se rapproche du jour J. Ayant moi-même fait l'expérience des JO à Londres en 2012, je me demande si tous ces désagréments laisseront bientôt place à une expérience positive et des Jeux très réussis. À la hauteur des risques que Paris prend pour casser les codes, pour changer les choses, pour faire de ces JO un événement totalement unique. À Londres, les infrastructures construites pour les JO sont devenues des espaces vivants très bien utilisés. Le village olympique a été transformé en un nouveau quartier résidentiel et le site olympique est devenu le Queen Elizabeth Olympic Park, l'un des parcs les plus agréables de Londres. Un espace vert vraiment impressionnant et un endroit qui continue à se développer et qui va bientôt devenir une nouvelle destination
culturel. Alors, c'est vraiment ce que j'espère pour les Parisiens et pour les Franciliens. Je vais vous laisser en description le lien du site officiel des JO Paris 2024 pour ceux qui sont curieux et aimeraient en apprendre un peu plus. Vous y trouverez des visualisations, des croquis, des événements dont on vient de parler qui sont très très intéressants. Et vous y verrez aussi l'emblème des JO, un logo en forme de médaille qui référence la flamme olympique et Marianne. Marianne, c'est le symbole de la République française. Ok, c'est une Marianne un peu relookée quand même. Et vous pourrez aussi découvrir la mascotte des Jeux, les Phryges. Les Phryges sont directement inspirées par le bonnet phrygien que Marianne porte, comme vous pouvez le voir dans ce tableau de Eugène Delacroix. Voilà, c'est déjà un très long épisode, donc on va s'arrêter là. J'aimerais vraiment savoir si certains d'entre vous seront à Paris pendant les Jeux Olympiques. Allez-vous assister à certaines épreuves? Dites-moi en commentaire. J'espère que cet épisode a été informatif. J'espère que vous avez appris certaines choses sur les Jeux Olympiques que vous ne saviez pas déjà. Et j'espère aussi que vous avez appris un petit peu de français. Si vous êtes à Paris cet été, je vous recommande de regarder ma vidéo sur les restaurants en France, ce qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas au restaurant en France et qui vous donne un peu de vocabulaire essentiel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant, je vous dis au revoir et je vous retrouve dans une autre vidéo.